Vas-y. Reste pas grand-temps, hein? Moi, je répondais à tes questions, en tout cas. Comment ça va? Ou qui le prochain moment? Je viens de dire, elle parlait. Ça a dû beaucoup de temps à trouver. Ah, oh, oui! Il faut trouver quoi faire, non? Parfait. Alors, comment se passe votre soirée? Très bien. Oui, très bien. C'est bon? Oui, très, 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 très bon. Oui? Ouais, c'est une belle soirée. Oui. Alors, on t'a bombardé de questions? Je sais pas. Ah, on l'a pas fait. On a oublié les enveloppes. C'est ça où je l'ai oublié. Là. Je l'ai sorti de ma mémoire. Oui, c'est vrai. Un mauvais moment. Donc, tu as eu des choix quand même assez difficiles à faire ce soir. Répondre, c'était pas toujours évident. Oui, on peut dire ça comme ça en français. Alors, pour la suite, ce sera le hasard qui va choisir. Pour la suite... Ce sera le hasard qui décidera quelle fille va passer la nuit avec toi en haut dans votre chambre. Pas la climatiser. Allez, ça, c'était comment? Ah, mon Dieu. Qui est pile, qui est face? Vas-y. Oh, c'est toi qui te lever, c'est toi qui le fais, je ne peux pas. Si jamais un jour tu nous empêches de faire ça en élimination, ça ne marche plus. Là. C'est devenu une façon de procéder. C'est la première fois, là. C'est parce qu'il va être juste. Attends, qui est pile, qui est face? Non, c'est pas moi qui décide. J'ai décidé mon lot. Ouais. Non, c'est toi qui décide. OK. C'est ça. C'est moi qui décide? Ouais. T'es face, t'es pile. Est-ce que je le refais ou on a pogné au lieu du poignet? Tu le fais. Est-ce qu'on le refait? C'est bon? Et c'est face. C'est qui face? C'est qui pile? Face. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est le hasard. Attends, attends. Ben oui, c'est ça, il y a deux. Il y a deux faces. Non, ben, c'est ça, non. Alors. C'est un peu con de me laisser choisir dans mes intentions, dans mes mots, mais pas de l'ordre des actions. Vous direz. C'était pour te faciliter le. Merci. Merci. Je pense à bien faire. Je suis jamais content. Alors, donc, Marie-Ève, tu dormiras ici. Tu peux passer le temps que tu veux ici. Quand ce sera le temps de dormir, tu retourneras à la maison. Ça, OK? Ça, c'est cool. Parfait. Allez, bonne fin de soirée. Merci. Et on se revoit plus tard. Ben oui. Bye. À tantôt. Bye bye. Bonsoir. Hey, cette soirée-là, c'est le destin. C'est la file. C'est ça. Mais c'est cool, par exemple, que ça reste tout. Ouais. Ça n'aura jamais le temps de dormir, au pire, c'est juste drôle. Oui, ça va vraiment être mouillé au maximum dans mes intentions, ce que j'ai à dire. Bon, décide plus rien, puis on va le faire pour toi, pour ce qui est un choix. Vous avez fait ça. C'est chaud! Tant qu'on est là-dedans, je vous le dis, tantôt on était au Hotseat. J'étais au Hotseat avec Aladdin. Puis il m'a demandé si tu as passé la nuit et ce soir avec quelqu'un. Je pensais que j'aurais ce choix-là à faire. Puis il m'a demandé avec qui. Puis j'ai dit avec Sophie. Je savais. T'en fais pas. Je suis pas du tout déçu. Là. Je veux pas qu'ils prennent ça comme ça. C'est pas ça que je veux dire. Donc je pense que c'était beaucoup plus l'ordre logique des choses. Bref. Voilà, vous êtes des filles intelligentes, puis vous ne pourrez pas m'incomber toutes les responsabilités. Là. Vous l'avez vu, comment j'ai flippé le 25 cents, c'est pas de ma faute. Ah non, c'est bien correct. Ton visage, il dit pas ça, lui. Je m'excuse. Non, ça va. C'est bien correct. C'est ça, au day, day, day. C'est le fait qu'il a commencé. Day, day, day. Day. C'est bien correct. C'est correct. C'est correct, puis pas. On a côté pour pas correct. Ça a une très grosse influence, ce genre de choses-là, puis ça devrait nous appartenir. Qui nous envoie à gauche, à droite, dans les montagnes ou dans l'eau, parfait, pas trop, mais le reste,
se construit. Et non, en fait, tu as besoin d'appartenir. Oh, ça, c'est bah. Plus la portion de la réalité. Plus là. Regardez ça beaucoup ce soir, je trouve. Oh là là, ça sent. J'ai vraiment vu un verre de vin aussi plein. D'accord. Moi, je suis encore à mon premier en passant. C'est vrai, ça? Oui. Tantôt? Oui. Je l'ai fait. C'est une menteuse comme aux échecs. Ah oui, ça paraissait. Puis, je vais faire mon petit dernier speech, là. Puis après ça, si ça vous tente, on s'amuse, puis on règle ça de bonne façon. Ça marche-tu? Mais il n'y en a pas de problème, Guillaume. C'est correct. C'est pas que tu t'en mâches pour rien. Puis... Ben, tout le monde un peu sentir mal. Tu sais, c'est mal à l'aise. Hein, ouais, mais c'est eux qui décident pour tout ça. Là, que... C'est ça, je dis, c'est eux qui décident. Ben, c'est ça. C'est un jeu, puis Guillaume. C'est super. Je veux faire ça différemment, si tu veux demander. Bref. Changer les jeux. C'est sûr que l'année prochaine, c'est ma maison Vona. C'est pas occupation d'autre, c'est ma maison Vona. Pour un enfant, tu peux pas. Pour vrai? J'ai voulu essayer, moi aussi. Pour un enfant. Peut-être qu'ils m'ont demandé en entrevue, tu sais, t'aimes ça les enfants, tout, parce qu'on s'en allait voir les enfants dans la main. Ben, j'aime ça, puis en plus, j'estime à 6 environ le nombre d'enfants illégitimes que j'ai au Québec. Et peut-être que j'en ai un. Peut-être que je peux prendre ma maison Vona, je sais pas. Peut-être. J'espère qu'ils passeront pas ces réponses-là. Mais moi, j'espère qu'ils vont les passer. C'est ben, qu'ils là, c'est toi, là. C'est tes blagues. Ouais. Ben, j'espère qu'ils passent ces niaiseries qu'on peut dire en entrevue, justement. Tantôt, on va dire que j'en ai que déconné, là. Parce que je peux pas inventer des mots que tu n'as pas dit, là. J'ai un avion, comme quand on aurait fait à l'école.